Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto peinture d'un rôdeur dans une longue robe pour le jeu The Walking Dead All Out War. Donc, on commence avec du Signal Green de chez MIG. Alors là, je suis désolé, j'ai mis ma liste de peinture en dessous, liste de peinture que je fais à la fin de chaque tuto. Donc, on commence avec du Signal Green. Alors, vous allez vous dire quand vous allez l'appliquer où? Première réflexion que vous allez vous faire, vous dire ça couvre pas, mais c'est normal, c'est pas grave, ça couvre pas, faut pas s'inquiéter. De toute façon, on va pas laisser la couleur brute, on va venir la retravailler plusieurs fois, donc il y a pas de souci, faut laisser comme ça. Ensuite, du Flat Flesh de chez Tamiya pour faire la peau, on va faire une peau pâle mais qui se rapproche assez de d'un survivant. Donc voilà, on va pas faire on va pas trop chercher la complexité au niveau de la peau sur ce rôdeur là. On va faire quelque chose de simple. Du noir de chez PBO et on va faire les cheveux du rôdeur. Je l'ai fait brune, donc les cheveux bien bien noirs. Faut pas hésiter à utiliser des peintures autres que ce que vous voyez de partout, type Valero, Army Painter, tout ça. Pas hésiter des fois à utiliser des peintures un peu plus classiques, type PBO. Honnêtement, moi j'utilise énormément parce que c'est une peinture qui est pas très chère. Les pots sont très gros et en plus ça couvre très bien. Avec le noir, au passage, on fait les sourcils noirs aussi. La couleur pomme de chez PBO. Et là, on va faire un brossage à sec en méga accéléré hein, sur la robe, tout simplement pour donner un aspect. Vraiment éviter cet aspect brillant. À outrance, on va dire, on va la rendre un peu plus mate et surtout on va marquer les bordures de la robe, donc c'est très très bien comme ça. Faut pas avoir peur, il faut y aller. Et là, au passage, je corrige 2-3 bricoles, hop, et voilà. Du blanc de chez PBO avec, on va faire le pansement, le bandage qu'a le rôdeur, parce que ce rôdeur là a un bandage à la main gauche, donc on va le faire tout doucement de manière simple. Ensuite du jaune de chez PBO et avec le jaune on va faire le fond des yeux tout simplement. Alors de vous dire les yeux jaunes c'est bizarre mais c'est oublie pas c'est des rôdeurs ou des zombies si vous préférez. Donc voilà le bleu lumière. Alors pourquoi du bleu en plein milieu? Tout simplement pour faire la tongue parce qu'elle a une tongue au pied. Donc je fais la tongue en bleu pour qu'elle ressorte super bien. Honnêtement nickel. Enfin c'est génial quoi. Le brun 29 de chez PBO, et là on fait un brossage à sec sur ses cheveux. Truc très simple, juste pour faire une nuance sur ses cheveux et éviter un aspect brillant ou glossy. Malgré le fait que j'utilise du noir mat, le 55. On fait la pupille. Prenez votre temps pour cette étape, hein. Faut pas se presser, faut vraiment y aller doucement, pas trop charger le pinceau surtout. Et ensuite, vous connaissez le rituel Crusted Sore pour faire le sang. Il y en a pas mal sur ce rôdeur, notamment sur le bandage. Faites-en sur le bandage parce que on peut imaginer qu'en fait, c'est une personne qui s'est fait mordre et qui ensuite est devenue zombie. Vous voyez, qu'elle a mis un bandage parce qu'elle pensait que ça pouvait. Vous voyez, bon, il y a plein de scénarios possibles. Le Neutral Brown de chez MIG pour faire le lavis marron, le lavis crasse, c'est pour ça que j'utilise à outrance ce lavis. Il fait très bien. Là, j'ai acheté de nouveaux lavis exprès pour d'autres univers, notamment pour des couleurs un peu plus claires, type ocre pour les blindages de blindés, et du noir, un lavis noir bien prononcé. Peut-être un peu trop prononcé à mon goût, mais voilà, je pense que il est pas mal pour faire certaines choses et pas d'autres. Donc là, voilà, on salit. Ce rôdeur-là, je l'ai un peu moins sali. Entre guillemets, je l'ai fait plus frais. Il est mieux comme ça. Je trouve qu'il est mieux comme ça. Donc là, on va toucher à la fin. Et là, bon, ben là, visiblement, j'ai bloqué. Voilà. Donc, vous voyez, je continue de salir. Bien comme il faut. Et ça fait super sympa. C'est le rôdeur le plus simple à peindre de la boîte. Regardez. Le résultat fini, ça va super bien, ça rend très 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 bien, et on voit vraiment l'aspect rôdeur, mais l'aspect rôdeur qui n'a pas été dépouillé, en fait décharné, tout ça,
je sais pas comment dire, mais voilà, elle s'est transformée toute seule, par exemple. Vous voyez, elle était mordue, elle a mis un bandage et elle s'est transformée toute seule. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous, c'est très important. Et ici, les différents liens pour suivre la chaîne et pour la soutenir. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde.